Virginia Giuffre accusait le prince Andrew de l'avoir agressé sexuellement. L'accusatrice du duc d'York va sortir un livre. Dans l'ouvrage, elle donne des détails sordides de leur rencontre. C'est un nouveau livre qui risque de ne pas plaire à la couronne britannique. Alors que le prince Andrew a signé un accord avec l'américaine qu'il a accusée de viol, il va de nouveau se retrouver dans la tourmente. En effet, Virginia Giuffre s'apprête à publier un ouvrage explosif, selon le Sun. Dans ce livre, elle raconte ce qu'elle aurait vécu en tant que victime de trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Elle revient également sur sa rencontre avec le prince Andrew, alors qu'elle arrivait à Londres dans le même avion que Ghislaine Maxwell. Sur place, elle aurait reçu l'ordre de passer la soirée avec le duc d'York dans une boîte de nuit, Trempa Mayfair. C'était le danseur le plus incroyablement hideux que j'ai jamais vu et je n'ai pas pu m'empêcher de rire sur la piste de danse et de lancer des regards embarrassés à Jeffrey et Ghislaine, qui se moquaient à mes dépens, écrit Virginia Giuffre. Ils auraient terminé leur soirée au domicile de Ghislaine Maxwell. Il me pelotait. Il a touché mes seins. Il a touché mes fesses, a écrit l'accusatrice du prince Andrew. Ce n'était pas mon genre, mais j'avais été entraîné non seulement à ne pas montrer mes émotions, mais à faire ce que l'on voulait. Il a commencé à me lécher les pieds, entre mes orteils et la voûte plantaire. Sur place, Virginia Giuffre raconte avoir vécu les 10 minutes les plus longues de sa vie. Selon elle, Jeffrey Epstein lui aurait payé 15 000 $ pour avoir passé la nuit avec le prince Andrew, qu'elle aurait revu à plusieurs reprises. Il avait des relations sexuelles payées par ses amis. D'après les ricanements qu'il faisait, il appréciait vraiment. Mais je me sentais comme une prostituée, écrit encore Virginia Giuffre. Le prince Andrew nie avec véhémence toutes les accusations dont il fait l'objet. Le prince Andrew, persona non grata de la couronne américaine de 38 ans, accusait le duc de l'avoir agressé sexuellement à 3 reprises alors qu'elle était mineure. En février dernier, le fils d'Elizabeth II a trouvé un accord avec son accusatrice qui lui a permis de ne pas être jugé lors d'un procès civil à New York, comme cela devait être le cas. Le prince Andrew n'a jamais eu l'intention de porter atteinte à la personne morale de Madame Giuffre et il reconnaît les souffrances qu'elle a vécues à la fois en tant que victime d'abus et d'attaques publiques, lisait-on dans le document. Il regrette sa relation avec Jeffrey Epstein et loue le courage de Madame Giuffre et des autres survivantes. Il s'engage à prouver ses remords en soutenant le combat contre le trafic sexuel et ses victimes. Depuis, le prince Andrew se fait particulièrement discret. Mis au banc de la couronne britannique, il a tout de même accompagné Sa Majesté lors d'un événement important.